Coordination nationale des foulbées Halle-Poulard de Guinée, déclaration. La coordination nationale des foulbées Halle-Poulard de Guinée a l'agréable devoir d'informer les responsables des antennes préfectorales, régionales et celles installées à l'étranger, ainsi que toutes les communautés Halle-Poulard de l'installation officielle de l'Hadj Alassane Sow le dimanche 2 juin 2024 comme président de l'antenne préfectorale de Siguiri. Il vous souviendra que le 15 janvier 2022, une importante délégation de la coordination s'était rendue à Siguiri afin d'apprécier les réalités du terrain et d'aplanir toute mésentente ou différend éventuel. Sur la base de toutes les informations recueillies, assorti d'un rapport clair et précis, le bureau de la coordination Halle-Poulard de Siguiri proposé fut accepté par la coordination nationale. Cet acte fut confirmé à Conakry à l'occasion de l'investiture du président de la coordination nationale des foulbées Halle-Poulard de Guinée, El Hadj Alseni Bari, le 23 octobre 2023. Suite à des entretiens approfondis et féconds, les outils de travail, notamment le cachet de l'antenne de Siguiri, furent remis officiellement au président, librement choisi par les populations de Siguiri. C'est dans ce cadre que la présente décision a été signée ce jour, 4 juin 2024, pour confirmer l'installation officielle ce dimanche 2 juin 2024, du président de l'antenne et les membres du bureau préfectoral de Siguiri, tout en adressant ses vives félicitations au président de l'antenne et à tous les membres du bureau, le président de la coordination les invite tous à cultiver l'entente, la paix et la concorde, à développer un esprit d'ouverture, de disponibilité intra- et intercommunautaire, à concevoir des programmes d'activités rassembleurs et porteurs profitables à tous. La coordination vous réaffirme sa disponibilité à s'investir sans relâche pour le renforcement des liens d'amitié et de fraternité unissant les Guinéens et ce, sans exception. Conakry le 4 juin 2024, le président El Hadj Alseni Bari. Je vous remercie.